Kama wana mwale tamro wali aye kinge tami aye tamro wali Zamana na mamu chungo kamdi aye kinge na manjuri aye kirdi mro larji Kama wana mwale tamro wali aye kinge tami aye tamro wali Zamana na mamu chungo kamdi aye kinge na manjuri aye kirdi mro larji Kajara kenye kijayo maduko ni virjulo Kajara kenye kijayo maduko ni virjulo Inji ndurugando wa maduko ni virjulo Ili kindi narama maduko ni virjulo Ili kindi narama maduko ni virjulo C'est une femme. Elle est enceinte, elle accouche d'une fille. Trois jours après son accouchement, elle s'en va dans la forêt secrète, elle prend sa forme de femme de nuit. La femme hibou, elle s'envole vers un autre village. Arrivée dans le village, elle plane entre ciel et terre. Le gardien du village a constaté qu'il y a le mal qui guette le village, le danger qui tourne tout autour du village. Depuis chez lui, le gardien du village l'a conduit jusqu'au cimetière et l'a fixé sur un arbre au milieu du cimetière. La femme et l'hibou est restée là-bas, bloquée dans l'arbre au milieu du cimetière. Trois jours après, il y a son mari qui s'amène directement chez le gardien du village. Il le salue, il s'incline devant lui, il dit « Tu retiens ma femme, s'il te plaît, rends-moi ma femme. » Il dit « Non, je ne retiens aucune femme. » Un matin, se réveiller, et a tout de suite que ça ne pouvait plus aller, parce que sa languette était devenue rouge et luisante, et on ne voyait plus que ça. Elle était un petit peu trop molle pour faire bijou. Alors elle a pris un petit carré en peau de singe et puis elle s'est coiffée le devant. Elle est allée à la rivière comme ça. Personne ne voyait rien. Seulement la main est revenue toutes les nuits. Et à force, la languette s'est allongée et elle dépassait du carré en peau de singe. Et un jour, sa languette, elle est tombée par terre. Alors elle l'a ramassée et puis elle l'a bien enroulée. Et elle a essayé de la faire tenir comme ça, en mouillant un peu. Mais le problème c'est que ça se déroulait. Alors après elle l'a tirée comme ça, puis elle faisait genre j'ai une ceinture. Mais l'autre, à un moment donné, apparemment ça suffisait, il a sorti ses jambes du feu comme ça. Il a sorti, il a regardé, bon, il était cramé. Alors, il a sorti son couteau et il a commencé à racler toute la chair carbonisée. Ses jambes brûlées. Alors il a raclé. Et puis le bout du pied là, il a fait. Alors il a cassé le pied puis il a balancé dans la forêt. Plus de pied. Alors il a taillé comme ça, il a bien nettoyé, quand la chair était toute partie, il y a l'os apparent qui est arrivé, tout blanc là, tout luisant. Alors il a continué à affûter ça. Et il s'est taillé deux jambes lances. C'est endormi. Bah, l'os n'est pas endormi. Hein. Il faut que j'aille avertir les gens du village. Il est trop dangereux, il faut l'éliminer. Il est parti à reculons, il dormait, c'est bon, il est parti. Et l'autre, il a dormi toute la nuit. Le matin, il s'est réveillé, il s'est mis debout, il a vu qu'il tenait sur ses jambes lances. Il s'est dit, c'est bon. Et il s'est mis à marcher avec ses jambes lances. Et il marchait, hein, il marchait bien.
Ça allait, quoi. Et il a regardé autour du feu qui était éteint. Il s'est dit, mais mon ami, j'avais mon ami, il est parti. Il est rentré au village, il m'a même pas attendu. Ben, je vais aller le chercher. Mais c'est où le village? C'est par là ou c'est par là? Il savait même plus où était le village, dans quelle direction. Il s'est dit, bon, je vais par là. Alors il est parti par là avec ses jambes lances. Il marchait et à un moment donné, il y a un colibri qui s'est envolé. Et ben, il a attrapé le colibri avec ses jambes lances. Il a détaché le colibri et l'a bouffé. C'était bon. Il a continué à marcher. Il est où mon ami? Il cherchait son ami. Il y a un yak qui est passé. Il a planté le yak. Il a dégagé le yak. Il l'a déchiré en morceaux. Il l'a bouffé. C'était bon le yak. Et il a continué à chercher son ami. Il est où mon ami? Il galopait. Il galopait avec les taureaux, les porcs-épics et les tapis. Et il les plantait tous. Il avait des broches d'animaux sur ses jambes blanches. Ha ha ha.